Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Et avant de développer ces titres, ces débordements à Poissy en marge de manifestations syndicales à Peugeot PSA. 1500 suppressions de postes supplémentaires venaient d'être annoncées. Plusieurs dizaines de salariés sont entrés dans les bureaux. Ils ont détruit du matériel. Tiffaine de Tricorneau. Au départ, c'était une simple manifestation des salariés PSA d'Aulnay. Mais très vite, la situation dégénère. Plusieurs dizaines de sympathisants CGT pénètrent violemment dans le bâtiment. En une dizaine de minutes, ils renversent tout sur leur passage. Les dégâts matériels sont importants. Mais le leader de la CGT refuse de condamner ses agissements. Moi, je ne condamne pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Oui, le rapport de force, ça, moi, je suis convaincu qu'il n'y a que ça qui peut faire reculer la direction d'Aulnay aujourd'hui. La veille, le groupe PSA avait annoncé le non-remplacement de 1500 départs à la retraite. La direction a porté plainte cet après-midi. Les autres organisations syndicales ont quant à elles dénoncé ces agissements.